بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الثالثة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 92 في أول الصفحة كما نلاحظ عندنا. Réinvestir كما لو نتكلم عن إعادة الاستثمار، يعني أننا نأخذ المعلومات التي عندنا ثم نستثمرها لنحصل على معلومات كما لو نقول أكثر أو معلومات جديدة، تماما كما يحصل في ميدان الاقتصاد عندما تستثمر أموالا من أجل الحصول على ربح أكبر. إذن pour le premier paragraphe, nous prenons le premier paragraphe. Qu'est-ce qu'on a? On a joli de nouvelles phrases. Joli de nouvelles phrases. On a le verbe lire. On a le verbe lire au présent. Comme nous le voyons, on a trois phrases. Pour ce premier paragraphe, on a trois phrases. La première de ces phrases, la tortue boit beaucoup d'eau. La tortue boit beaucoup d'eau. La tortue boit beaucoup d'eau. On a la tortue. Ensuite, on a le verbe boire au présent. Alors, la tortue boit beaucoup d'eau. إذن السلحفاة تشرب الكثير من الماء. Pour la deuxième phrase, on a la tortue reste debout sans bouger. La tortue reste debout. La tortue reste debout sans bouger. Alors, la tortue reste, c'est le verbe rester. C'est le verbe rester. هذا فعل باقية debout. يعني واقفة أو واقفا في حالة المذكر. La tortue reste debout, sans bouger. On a le verbe bouger, يعني تحرك, sans bouger, بدون حركة, بدون أن تتحرك. المقصود أن تبقى ثابتة. إذن, la tortue reste debout, sans bouger. السلحفاة تبقى واقفة دون حركة. Enfin, on a la phrase, le lapin saute de joie. On a le lapin, après on a le verbe sauter. On a le verbe sauter. عندنا فعل قفز. لولا باسوت دو جوا، الأرنب يقفز من الفرح. لولا باسوت دو جوا. Voilà comme nous le voyons dans ce premier paragraphe, on a trois phrases. Pour l'instant, nous allons passer au deuxième paragraphe pour dire est-ce que c'est vrai ou faux. إذا الآن سنمر إلى الفقرة الثانية لنقول هل هو صحيح أم خطأ. Bien sûr, comme nous le voyons, on a trois phrases. On a la phrase A, la phrase B et la phrase C. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons lire ces trois phrases. Et pour chaque phrase, nous allons dire est-ce que c'est vrai ou faux. En comparaison avec le premier paragraphe, nous prenons la phrase A. La tortue reste debout sans bouger. Est-ce que cette phrase est vraie ou fausse? La tortue reste debout sans bouger. Dans le premier paragraphe, qu'est-ce qu'on a déjà vu? On a venu de voir la tortue boit beaucoup d'eau. Deuxièmement, on a vu la tortue reste debout sans bouger. Et enfin, on a vu le lapin saute de joie. Parmi ces trois phrases, on a la tortue reste debout sans bouger. C'est la même phrase. On peut dire que la phrase A est vraie. Mais دامت أن هذه الجملة توجد بين هاد الجمل الثلاث، إذن يمكن أن نقول بأن هذه الجملة صحيحة. On a la tortue reste debout sans bouger. C'est la même phrase. Et par conséquent, on peut dire que la phrase A est vraie. Pour l'instant, nous passons au deuxième paragraphe. La tortue reste assise sans bouger. La tortue reste assise sans bouger. Pour le premier paragraphe, on est venu de voir la tortue reste debout sans bouger. إذن في الفقرة الأولى رأينا السلحفاة تبقى واقفة دون حركة. On est venu de voir la tortue reste debout sans bouger. Mais dans le deuxième paragraphe, qu'est-ce qu'on a? On a la tortue reste assise sans bouger. C'est-à-dire le contraire. عندنا العكس. السلحفاة تبقى جالسة دون حركة. On a le verbe asseoir. عندنا فعل جلسة. La tortue reste assise sans bouger. طبعا في حالة المذكر نقول assis. طبعا في حالة الكلام على المذكر نقول assis. يعني جالس. مثلا لولا با ريست assis. ما نقولوش أسيز لأننا تنتكلموا على مذكر. هنا تنتكلموا على لا تورتي. لا تورتي مؤنثة. إذن لا تورتي غيست أسيز سون بوجي. لو لا با غيست أسي سون بوجي. دونك لا فراز بي دون لو دوزيام باراغراف ني با لا ميم دون لو بروميير باراغراف.
Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la phrase B est fausse. إذن سنقول بأن الجملة B غير صحيحة. إذن مادام أن هذه الجملة ليست الجملة الموجودة في الفقرة الأولى، لأن الفقرة الأولى ماذا عندنا؟ Dans le premier paragraphe, qu'est-ce qu'on a? On a la tortue reste debout sans bouger. Par contre, ici on a la tortue reste assise sans bouger. Comme nous le constatons, comme nous le voyons, la phrase n'est pas la même. إذن كما نرى بأن الجملة ليست نفسها. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la phrase B est fausse. Et donc, on va dire que la phrase B est خاطئة. Pour l'instant, nous passons à la dernière phrase. La tortue reste debout sans parler. La tortue reste debout sans parler. Et donc, السلحفاة تبقى واقفة. Et donc, نفس الجملة التي رأينا, mais sans parler. ولكن بدون أن تتكلم. Le verbe parler, يعني فعل تكلم. La tortue reste debout. Bien sûr, c'est la même. Pour le premier paragraphe, on a la tortue reste debout sans bouger. Pour le deuxième paragraphe, on a la tortue reste debout sans parler. Comme nous le voyons, la phrase n'est pas la même. Et dans le jumelé, les 7 9 soit. رغم أن تتضمن مجموعة كلمات كما في الجملة التي رأينا في الفقرة الأولى. Comme nous venons de le voir, on a la phrase A vraie, les phrases B et C sont fausses. إذن كما رأينا الجملة A هي الصحيحة ثم الجملة B و C أنها خاطئة. Nous passons au deuxième paragraphe. Je mets les mots dans l'ordre pour former une phrase. Je mets les mots dans l'ordre pour former une phrase. Comme nous le connaissons, la phrase a un sens. إذن كما نعلم بأن الجملة يكون عندها معنى. Je mets, c'est le verbe mettre. Nous allons mettre, bien sûr, les mots. C'est-à-dire les mots suivants, comme nous le voyons ici, on a des mots. On a bois, on a la, on a o, on a tortue, on a l apostrophe, et enfin on a deux. Voilà, ce sont des mots. Et on a des kalimètes. Alors, je vais mettre les mots dans l'ordre. Yani, on a sa'ada al-kalimètes, fi tertib, pour former, pour donner une forme. Likay u'atiye shaklan, pour former les ushakila. طبعا عندنا لوفير فورمي يعني انك تشكل بور فورمي اون فراز لكي اشكل جمله. alors je mets c'est moi qui va mettre انا الذي ساضع لي مو دون لوردر الكلمات في ترتيب بور فورمي اون فراز لكي اشكل جمله. on a boire c'est-à-dire le verbe boire. boire c'est-à-dire le verbe boire. اذا عندنا فعل شربه لا لو ديتيرمينون لا. Après, on a O, يعني الماء. Après, on a tortue, tortue, يعني السلحفات. Ensuite, on a L apostrophe, عندنا L بيد العلامة. Et enfin, on a deux. On a deux, يعني لي, كما لو نقول. Qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Quel est l'ordre que va prendre ces mots, bien sûr, pour qu'on aura une phrase avec un sens. إذن ما هو الترتيب الذي ستأخذه هذه الكلمات لتكون لنا جملة ذات معنى. Quel est l'ordre que va prendre ces mots pour qu'on forme, pour qu'on aura une phrase avec un sens. إذن ما هو الترتيب الذي ستأخذ هذه الكلمات لتكون لنا جملة ذات معنى. On va mettre la tortue, la tortue, parce que comme nous le voyons, on a la avec L majuscule. C'est-à-dire que cette la va être au début de la phrase. On a la, cette la, s'écrit avec L majuscule. Cela veut dire que cette la va être au début de la phrase. Et donc, عندنا هاد la مكتوبة بL كبيرة. هذا يعني بأن ستكون في أول جملة. تنعرفوا بأن الجملة تبتدأ بحرف كبير. مثلا في الجملة الموالية, je trouve la fin des phrases est jolie. هاد جي مكتوبة كبيرة. Je mets les mots. Je mets les mots. إذن تنشوفوا هاد جي مكتوبة كبيرة. La tortue reste debout sans parler. Une chose fois de la tortue, elle, كبيرة. في أول الجملة. Et donc, c'est la même chose ici. Qu'est-ce qu'on va mettre? Bien sûr, on va mettre là, au début de la phrase, le mot qui vient après, c'est tortue. On va dire la tortue. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Bien sûr, on va dire la tortue boit. La tortue boit. Et enfin, de l'eau. Et donc, la tortue boit de l'eau.
السلحفاة تشرب الماء. Voilà, on a ici une phrase qui a un sens. إذن عندنا هنا جملة التي عندها معنى. Nous prenons le quatrième paragraphe. Je trouve la fin des phrases est jolie. Je trouve la fin des phrases est jolie. Comme nous le voyons ici, on a des phrases coupées. إذن عندنا جمل مقطعة. On a les débuts de ces phrases. Ensuite, on a les fins de ces phrases. Qu'est-ce qu'on va mettre? Bien sûr, on va associer chaque début avec sa fin. إذن سنربط كل بداية مع نهايته. إذن عندنا جمل مقطعة. عندنا البدايات ثم عندنا النهايات. On a les débuts. Ensuite, on a les fins. إذن عندنا النهايات. Qu'est-ce qu'on va mettre? ماذا سنفعل؟ On va associer, يعني أننا سنربط, c'est le verbe associer, يعني أنك تربط. On va associer chaque début, يعني كل بداية, avec sa fin, مع نهايتها. Si nous prenons la première phrase, ou plutôt, si nous prenons le premier début de phrase, أو بالأحرى إذا أخذنا بداية أول جملة. Le premier début, comme nous le voyons, on a la tortue gagne. Le premier début de phrase, on a la tortue gagne. إذن أول بداية الجملة كما نرى, On a la tortue gagne. عندنا السلحفاة تفوز أو السلحفاة تربح بمعنى أقرب. عندنا لو فيرب غاني. Qu'est-ce qu'on va mettre comme fin? إذن ماذا سنضع كنهاية? Qu'est-ce qu'on va mettre comme fin? ماذا سنضع كنهاية? Est-ce qu'on va mettre pour elle? هي ستربح من أجلها. La course ستربح سباق. Ou bien sans bouger. بدون حركة. السلحفاة تفوز. Bidon haraka. La tortue gagne sans bouger. Je trouve la fin des phrases est jolie. Idan ana ajidu nihayat al-jumla wa aqra. Bien sûr, on va mettre la tortue gagne la course. La tortue gagne la course. On va mettre la tortue gagne la course. Nous passons au deuxième début de phrase. Namor ila. النصف الثاني للجملة. Les oiseaux chantent. C'est le verbe chanter. إذن هذا فعل غنى. Les oiseaux chantent. الطيور تغني. Est-ce qu'on va mettre comme fin pour elle la course ou bien sans bouger? إذن ماذا سنضع كنهاية? هل سنضع pour elle لأجلها la course السباق sans bouger بدون حركة? Alors, bien sûr, on va mettre Les oiseaux chantent pour elle. الطيور تغني من أجلها. Et enfin, on a Dodo reste debout. إذن Dodo يبقى واقفا. Dodo reste debout, c'est le début de la phrase. Dodo يبقى واقفا. هذه بداية الجملة. On cherche la fin de cette phrase. إذن نبحث عن نهاية هذه الجملة. Est-ce qu'on va mettre pour elle? La course ou bien sans bouger. Bien sûr, nous allons mettre sans bouger. Dodo reste debout sans bouger. Idan dodo yabqa waqifan duna haraka. Nous prenons fin le cinquième paragraphe. Qu'est-ce qu'on a? J'ai écrit sur mon cahier. Ana aktub ala daftari. J'ai écrit, c'est le verbe écrire sur mon cahier. Ala daftari. Oi se prononce wa. Idan oi ton taqwa. Ensuite, on a choix. C-H-C. O-I-W-A. On a choix. O-I se prononce wa. Alors, C-H-O-I se prononce choix. Ensuite, on a D-O-I. D-O-I se prononce doigt. D-O-I se prononce doigt. Après, on a un oiseau. Un oiseau, il y en a un. Ensuite, on a O. Ensuite, on a POU. P-O-U se prononce POU. Après, on a MO. M-O-U se prononce MO. Et enfin, on a UN CHOT. Alors, on a OA, CHOIS, DOIT, UN OISEAU, OU, POU, MO et UN CHOT. Voilà, c'était la page 92 du livre « Mes apprentissages en français, année de l'enseignement primaire ». N'aktafi bal qadr hayyakum Allah, wa ila liqa'in qadim bi idnillah.